prends tu une heure et tu fais quoi et tu fais quoi et tu fais qui? Tu veux BF ou GBF, tu veux CDD ou CDI, et la carte, et le tard, et la retraite, et le mari? Attends, rien. Tu sais pas ça. Toi, le même père, ça n'est pas. Un silence, puis soudain, elle se lance. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est le chômage, tu y penses, à ton âge, c'est train, c'est tu crois à des vacances, c'est ça marre. C'est bien? Ma mère. Pendant qu'on fait l'attention. Pour alors savoir qui se lamente. Et vu qu'on lui donne de l'attention, elle, personne n'écoute, elle est contente. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pour qu'elle passe plus nous voir? Et qu'on lui donne l'effet de toujours lui en vouloir? Ma sœur. Rien, elle pense juste à personne. Au fond d'elle, il n'y a que de la âme. Je pense qu'elle est tarée ou conne. Dans les livres, sans tes âmes. Ma mère alors, tu fumes encore pour ton cancer, t'abîmes ton corps, t'as des cancers. Et tu nous dis que t'as pas de sous. Que ça coûte combien, un paquet de clopes? Mais on voit bien que t'es dans le flou. Et ne crois pas que je m'en moque. Ma sœur, t'as même pas de copain. Dernier, lui, pourtant bien, mais ma bouche est minable. Il voit tout de suite que t'es instable. Mon père, souriant, déballe aussi son sac. C'est pas parce qu'on dit que tu n'as pas d'argent qu'il faut tout de suite que tu te braques. Ta vie, non, juste que tu as le temps et qu'avoir un niveau après bac, ça sert pas. Si on est encore un enfant, mais trop grand, pour lui mettre des claques. Ma mère, d'une façon plus calme alors, intervient, mais pour remettre une couche. Et un pot, elle fait du sport ou elle reste à gober les mouches. Très fière. Oui, maman, j'ai fait de l'escalade deux fois. Elle rétorque. Et les accidents? Tu mets un casque, moi, quand tu y vas. Pourtant, je suis cool, mais là, je vais pas tarder à me vexer. Je suis ton casque, là, il me saoule. Et non, je fais juste un baudrier. Ma sœur, ah ben si, hein. Moi, j'ai des copains, mais ils ont un casque. Et là, oui, ils ont un casque, les copains. Surtout, mais ils sont malades. Ma mère, je paye bien un loyer à ton coloc. Oui, la moitié, si j'en allume moins le clope. La moitié, me dit-elle d'un ton hystérique, mais ta chambre est largement la plus petite, et c'est là que je m'énerve. Et c'est l'apothéose, l'apocalypse, l'escalade.